أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صدق الله العظيم. Après avoir reçu la nouvelle au sujet de Yusuf alayhi salatu wa salam qu'il était encore vivant et qu'on ait ramené face à lui le qamis de Yusuf alayhi salatu wa salam par le biais duquel Yaqub alayhi salatu wa salam a retrouvé la vue, il a donc dit à ses enfants qui ont présenté leurs excuses: Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Il leur a dit que bientôt je vais donc demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. On avait vu que soit il a attendu l'heure du sahur, du sahri, afin que ce soit un moment plus propice à l'acceptation, comme on a des moments où l'acceptation des du'as sont plus propices. Et donc, après cet incident, maintenant Yaqub alayhi salatu wa salam et sa famille vont aller à la rencontre de leur fils bien-aimé, Yusuf alayhi salatu wa salam. Mufti Muhammad Shafi sahab rahmatullahi alayhi, il dit que dans le Saint-Coran et Karim, toutes les informations qui nous sont parvenues au sujet de l'histoire de Yusuf alayhi salatu wa salam, vous avez des informations, dirons-nous, formelles, et vous avez d'autres informations, d'autres récits qui sont plutôt prouvés par ce qu'on appelle des récits israélites ou bien tarikhites historiques. Et c'est assez commun dans les ouvrages de tafsir, de commentaires du Saint-Coran et Karim, de retrouver des récits israélites et des récits ajib parfois, c'est-à-dire très étranges, qui sortent du cadre de l'acceptation du ilm et de la connaissance. Donc il écrit ici: يهاتك حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام كعجيب وغريب قصة أرسك ضم آيه وهدايات كسلسلة جو قرآن كريم مذكور هي بورا هنيا أسك بعض كقصة قرآن كريم يكسي حديث مرفوع من منقول نهي. C'est-à-dire qu'il mentionne cela après le ayat: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Le verset donc 101 qu'on vient de réciter. Et il dit après cela, dans les hadiths mubarakah, dans le Coran, on ne trouve pas de précision, mais dans les récits historiques. Et il faut faire attention à cela, car il arrive souvent qu'on tombe et on se passionne
pour différents récits qu'on retrouve dans les différents tafsirs. Il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, une grande accessibilité au tafsir en français notamment. Vous avez dans le tarikh également, dans l'histoire, vous avez un livre que les gens aiment bien, c'est le tarikh al-Tabari, les chroniques de Tabari qui sont traduites en français, mais qui très souvent ne sont pas acceptables. Donc il faut faire attention à toujours vérifier l'authenticité de ce qu'on raconte. Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda, rahimahullah ta'ala, pour les ulama et les étudiants qui veulent, inshallah, plus se perfectionner dans ce domaine et dans ce thème-là, car c'est une question assez récurrente qui apparaît. Il a détaillé cela dans un livre, dans le hashia d'un livre qui s'appelle Al-Ajwibatul Fadila de Mawlana Abdul Hayy Laknawi rahimahullah, c'est un livre en arabe. Et dans l'explication, dans le hashia qu'il a fait, il a largement détaillé cela. Pourquoi et comment expliquer le fait que dans des tafsirs parfois mu'tabar, tafsir de Qurtubi et autres, etc., on trouve des récits qui ne sont pas fiables. Et donc il explique cela. Donc pour ce qui est de Yusuf alayhi salatu wa salam, falamma dakhalu ala Yusuf awa. Lorsque ils sont donc venus à la rencontre de Yusuf alayhi salatu wa salam. Ah oui. Alors donc je disais, après combien de temps? Donc les mufassirun alayhi rahma ont cité différents avis. Certains ont dit qu'il a été jeté dans le puits alors qu'il avait 7 ans et qu'il a été séparé de son père et de ses parents. Certains ont mentionné pendant 80 années et d'autres ont dit pendant 40 ans. Et ensuite, donc après cela, ils sont restés ensemble pendant un certain nombre d'années. Là aussi, Maulana Idris Kandehlawi, rahimahullah ta'ala, il a cité un certain nombre d'années. Mais comme nous l'avons dit, Allahu alam, ce n'est pas forcément prouvé par les hadiths mubarakah. Et qu'après cette rencontre, Yusuf alayhi salatu wasalam est resté en vie pendant encore, certains disent pendant 23 ans ou alors 13 ans, et il serait mort à 120 ans. Allahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux la réalité de cela. Mais voilà, donc c'est un récit qui mentionne cela. Voilà, il a dit Imam Qurtubi rahmatullahi alayhi, il dit que selon les historiens, Yaqub est resté en Égypte pendant 24 ans auprès de Yusuf alayhi. Donc ils se sont retrouvés après 40 ans ou 80 ans. Après ils sont restés ensemble pendant 24 ans. C'est des historiens qui mentionnent ça. Et après Yaqub alayhi, il est mort. Et après cela, Yusuf alayhi, lui, il est resté encore vivant pendant un certain nombre d'années, certains disent Wallahu alam 13 ans ou autre, et lui il serait décédé Wallahu alam à l'âge de 120 ans. Voilà donc cela. D'autres ont dit, alors il y a plusieurs avis, hein, qu'il a été un petit peu plus âgé. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a vu, le taqdir était tel qu'il devait se séparer pour se retrouver. Et donc ils se sont retrouvés, dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi. Là, il a honoré, il a accueilli ses parents. Alors le terme abawayhi, abawayhi, ça veut dire le papa et la maman. Et là aussi, il y a une divergence auprès des ulama. Est-ce que la mère de Yusuf alayhi salatu wassalam était encore vivante ou pas? Certains ont dit que non. Elle a quitté ce monde auparavant et son père, Yaqub alayhi salatu wassalam, s'est marié avec la sœur de sa précédente épouse. Donc la tante de Yusuf alayhi salatu wassalam. C'est un avis qui existe et d'autres ont dit qu'il n'y a pas de dalil, là aussi il n'y a pas véritablement de preuve pour dire que la mère de Yusuf alayhi salatu wassalam est décédée et a quitté ce monde. Quoi qu'il en soit, abawayhi, et si on dit que ce n'était pas sa véritable maman et qu'il a ici utilisé le terme ses parents, parce que la tante al-khalatu bi manzilatil
La tante, elle a le degré de la maman. Ça veut dire qu'on doit également la respecter comme on respecte la maman. وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Et Yusuf a.s. leur a dit, entrez en Égypte, إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Si Allah tabarak wa ta'ala le veut, de manière sécurisée. Alors, ce إِنْ شَاءَ اللَّهُ, ça montre le kamal et tawakkul et yaqin sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ismaïl alayhi salat wa salam, il a dit à son père Yaqub alayhi salat wa salam, satajiduni insha'allahu minas sabirin. Tu vas me trouver insha'allah parmi les patients. Et ce tawakkul qu'on disait, cette perfection, c'est que parfois, même si on a la conviction, la totalité des moyens sont à notre disposition, bien malgré tout, parfois il arrive qu'on n'atteint pas notre objectif. Et c'est là que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit « Araftu Rabbi bifaskhil azaim » J'ai reconnu Allah subhanahu wa ta'ala dans l'annulation de mes résolutions. J'avais pris la ferme décision de faire ça. Je devais aller au Hajj. Tout était prêt. J'avais pris mes congés. J'avais les moyens. J'avais le visa. J'avais tout. Et au dernier moment, ça ne s'est pas produit. Donc de toujours dire Inch'Allah. Et c'est vrai qu'il y a des petites, entre guillemets, hein, des petites phrases comme ça qui sont tellement importantes, comme Inch'Allah. Et Subhanallah al-Azim, Inch'Allah, c'est tellement important que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un ayat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pour lui annoncer et le dire. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah Ta'ala a révélé un ayat du Coran pour dire au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, surtout ne dis pas quelque chose sans mentionner Inch'Allah. De la même manière, la lecture de Bismillah, de commencer avec le nom d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ces formulations Subhanallah, Masha'Allah, Astaghfirullah, ça doit faire partie du quotidien du musulman. Donc, Inch'Allah et Aminin, vous allez entrer en sécurité. Allama Biqa'i, rahimahullah ta'ala, il dit la paix, la sécurité, le aïch, le bien-être et le confort, la vie, dépend grandement de cela. Et c'est pourquoi dans la sourate Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cet immense bienfait wa amanahum min khawf. C'est lui qui nous a donné la sécurité contre la paix. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الله سبحانه وتعالى dit dans la sourate An-Nahl qu'il donne l'exemple d'une cité où il y avait la tranquillité, la paix, il y avait le rosi, il y avait le risque en abondance. Mais malheureusement, فكفرت بأنعم الله, ils ont renié, ils ont été ingrats envers les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Allah subhanahu wa ta'ala les a habillés, si on traduit, fa'adhaq, les a fait goûter libas, le vêtement de la faim, wal khawf, et de la peur. Qu'Allah ta'ala nous en préserve, amin. Et donc ici, insha'Allah, amin. Wa rafa'a abawayhi. Et après avoir reçu ses parents, il a fait asseoir ses parents, donc soit son père et sa véritable mère, ou bien son père et sa tante, avec laquelle il serait marié, selon certains mufassirin, wallahu alam, ala al-arsh, sur le trône, wa kharru lahu sujjada. Et ils se sont, si on traduit mot à mot, ici ils ont mis dans la traduction, et tous tombèrent prosternés devant lui. Alors, prosternation, certains ont dit, ce n'était pas une prosternation envers Yusuf alayhi salat wa salam, mais c'était ce qu'on appelle un sajda de shukr, de remerciement. Et ça fait partie de la sharia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam également. Vous avez un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a une occasion, lorsqu'il a reçu une bonne nouvelle, eh bien il s'est prosterné. Alors bien sûr, il faut avoir les ablutions, il faut que ça soit face à la qibla, etc. Les conditions qui s'appliquent pour la salah. On peut juste faire un sajda, c'est-à-dire on est comme ça, on entre dans la masjid, à un horaire où il est permis de le faire, et j'arrive et je fais une prosternation. D'autres ont dit c'était dans leur sharia, dans leur loi à eux, c'était permis.
Et Allama Idris Kandehlawi, rahmatullahi alayhi, dans son ma'arif al-Qur'an, il dit que jusqu'à l'époque de Isa alayhi salatu wasalam, c'était permis. Ensuite, dans la sharia de Nabi sallallahu alayhi wasalam, ça a été abrogé. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wasalam a dit d'ailleurs: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد, que les sahaba radiallahu anhum, ils ont vu que dans d'autres pays, dans d'autres endroits, bien les gens se prosternaient devant leur roi, devant Khosroès, etc. Et ils voulaient, les sahaba, tellement ils avaient un amour pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, les ablutions, ils allaient récolter cette eau. Un autre sahabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait le halaq, il a rasé ses cheveux, et bien il a gardé cela. Un autre sahabi radiallahu anhu al-ma'in, tellement il aimait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à une occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama, la saignée, donc on enlève donc le sang, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va jeter ce sang. Il est parti et puis il est revenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que tu as fait avec le sang? Il a dit: j'ai bu. Il a dit: je n'ai pas jeté, j'ai bu. Tellement ils avaient un amour pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc ils voulaient se prosterner devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Et ça, regardez, c'est très important. C'est la limite. C'est la limite également dans d'autres religions et dans ce qu'on trouve dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rabb. C'est Dieu, c'est le divin. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a un statut extrêmement élevé, mais ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas atteindre, na'ouzou billah, le degré de divinité. Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est Allah. Et le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme, c'est un être humain. Donc, et la prosternation, le sajda, c'est un acte cultuel. C'est-à-dire d'adoration qui ne peut être appliquée que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre. À tel point, les sahaba, radiallahu anhu ajma'in, ils ont demandé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à yanhami'u ahaduna, même se courber, non pas se prosterner, mais se courber. Parfois, il arrive, mufti radhaou al-haq, hafizallahu ta'ala, au stade, il disait que quand on fait salam à quelqu'un, quand on salue une personne, instinctivement, habituellement, on se courbe un peu. Ça, c'est contraire au hadith. Même ça, c'est pas bon devant quelqu'un. La seule prosternation, la seule révérence ultime et sublime doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَخَرُّ لَهُمْ سُجَّدًا. À leur époque, c'était وَقَالَ يَا أَبَتِي. Et ils ont dit: oh mon bien-aimé père, il a dit, lorsqu'il a vu ça, qu'eux se sont prosternés donc, devant eux, parce que c'était permis à leur époque, il a dit: voilà, hadha ta'wil ru'yaya min qabl, l'interprétation du rêve que j'avais fait, et qui est mentionné au tout début de la sourate. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Donc voilà la réalisation de mon rêve. Qad ja'alaha rabbi haqqa, sayyid Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cela une réalité. Et on apprend ici donc, avec les explications qui ont été données, que regardez, il aurait fait ce rêve, on va dire à 7 ans, si on accepte les avis, et là, 7 ans plus la séparation pendant 40 ou 80 ans, alors on va prendre le minimum 47, donc ça veut dire que le rêve qu'il a vu s'est réalisé plus de 40 ans après. Donc parfois il arrive qu'on voit un rêve qui est véridique, mais qui ne se réalisera pas immédiatement. Et c'est la même chose pour un dua. C'est-à-dire qu'on fait un dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le dua, mais il matérialise, il fait réaliser ce dua quelques temps après. Et là, regardez le kamal et akhlaq. Mufti Shafi rahmatullahi alayhi dit, regardez, ça c'est un prophète. Ça, ce sont la noblesse de caractère des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Yusuf alayhi salatu wasalam, il est passé, on peut diviser les épreuves qu'il a eues en trois. Premièrement, il y a eu l'oppression qu'il a dû subir face à ses frères, donc qu'ils l'ont jeté dans un puits. Deuxièmement, il y a eu la séparation avec ses parents. Et troisièmement, il y a eu le fait qu'il a été injustement emprisonné. Mais ici,
Yusuf alayhi salatu wa salam, il ne parle que d'une de ses épreuves. Pourquoi ? Parce que on dit que le zulm, l'oppression que ses frères l'ont fait subir, comme il avait pardonné, il est passé là-dessus. Et même cet incident de la prison, il ne mentionne pas la tristesse et la difficulté par lesquelles il l'a traversé, mais il mentionne le ni'ma, le bienfait. Allah Ta'ala, il m'a fait sortir de cet endroit. Il dit, les prophètes, les anbiya alayhi salatu wa salam, la noblesse de caractère, c'est de faire dominer le shukr sur le sabr, c'est-à-dire de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même, subhanallah, des hadiths, shalif qui mentionnent en ce sens des vertus d'une personne qui, subhanallah, pourtant est malade et atteint par une difficulté ou par une maladie, mais qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les autres bienfaits qu'Allah lui a accordés. Donc, waqad ahsana li, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été bon envers moi, il akharajani, regardez, il se souvient du bien, il ne se souvient pas du mal. C'est fini, c'est passé, on oublie. Il akhrajani min as-sijn, lorsqu'il m'a fait sortir de la prison. Wa ja'a bikum, et deuxièmement, il vous a amené, vous étiez dans la campagne, min al-badwi, et là, min ba'di an nazara ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati, après que Shaytan ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Alors, inshallah, on aimerait revenir sur ce point. Si j'oublie, vous me rappelez, hein, inshallah, on va terminer le ayat, mais on reviendra là-dessus, inshallah, car c'est important. Après que Shaytan ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Inna Rabbi latiful lima yasha. Donc, c'est-à-dire qu'il a attribué, il a affilié ce plan, ce stratagème des frères qui ont fait qu'ils voulaient, par hasad, par jalousie, ils ont voulu se débarrasser de lui. Certains ont dit « Uqtulu Yusuf, il faut le tuer, il faut se débarrasser, ils l'ont jeté dans le puits, etc. » Il a dit ça, c'est quoi ? C'est le travail et l'effort, je dirais, on rajouterait, continu de Shaytan. On y reviendra, Inch'Allah, dans un instant. « Inna Rabbi latiful lima yasha » C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant envers qui il veut. « Innahu huwa al-alim al-hakim » Regardez. Mawlana Fazlur Rahman, Cheikh al-Hadith d'Ibn Barakat, nous a lisé, c'est ce qu'on appelle tevyil dans la balara, dans la rhétorique. À la fin du ayat, c'est une sorte de conclusion. Et souvent, il y a deux sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apparaissent. Ici, al-alim, Allah il sait. Il sait pourquoi il a fait passer cela, il a fait subir cela. Et al-hakim, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage. C'est-à-dire là-dedans, il y a forcément des sagesses qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Et là, on dit que après donc la mort de Yaqub alayhi salatu wasalam, maintenant Yusuf alayhi salatu wasalam, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala et dit Rabbi, oh Allah, ya Rabbi, fais ce dua, très beau dua, qad ataitani min al-mulk, tu m'as donné, accordé une part de la royauté, premièrement, wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, et tu m'as également enseigné une partie de l'interprétation des rêves. Donc ce sont deux grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. Fatir as-samawati wal-ard, ô toi qui es créateur des cieux et de la terre, anta waliyyi fid dunya wal-akhira, tu es mon maître dans ce monde et dans le delà, tawaffani muslima, donne-moi, fais-moi mourir en parfaite soumission en tant que croyant, en parfaite soumission, wa alhiqni bis-salihin, et fais-moi rejoindre les pieux. Mufti Shafi rahmatullahi alayh, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, regardez, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens qui ont une véritable piété, quel que soit le degré d'acceptation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le degré, kitnehi darajat aliyah, Allah ta'ala ki maqboul mannon ka rang, rang ça veut dire la couleur, ça veut dire la manière de faire et la philosophie des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le degré qu'ils atteignent, dunya wa akhirat kaunku nasibhum, kitnahi jah wa mansab, quel que soit la célébrité, l'honneur qu'Allah leur accorde, kisi waqt uspar maghrur nahihut, ils ne se laissent pas tromper par cela. Et il faut faire très attention à ça. Shaytan, Iblis, il nous attaque de différentes manières. Soit il nous empêche de faire l'action, il nous décourage. Soit il nous laisse faire l'action, mais on n'a pas de régularité. Soit on a de régularité, on n'a pas de sincérité. Soit il nous fait croire qu'on a sincérité et il fait monter ça à la tête. Ghurur. Ghurur, ça veut dire on se croit meilleur que les autres. Et subhanallah al-azim, dans la sourate al-Nasr, « Iza ja'a nasrullahi wal-fath »
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله تعالى سادغس رسول الله صلى الله عليه وسلم ديغا tu vois maintenant, tu es la fin de sa vie, c'est tandis la dernière sourate qui a été révélée dans le Saint-Coran et Karim, tu vois les gens accepter en masse l'islam. À ce moment, que faire? Fasabbih. Glorifie Allah. Subhanallah. Bihamdi Rabbika. Et dis Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Wastaghfir. Et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il pourrait, wallahu alam, on pourrait comprendre à travers cela trois choses. Et ça, ça nous évite d'avoir la grosse tête. Premièrement, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. L'action qu'on a fait, elle est incomplète. Il y a des manquements dedans. Deuxièmement, elle est imparfaite. Et quand on fait tasbih, on dit « Oh Allah, mon action est imparfaite, toi, subhanallah, tu es parfait. » بِحَمْدِ رَبِّكَ, elle est incomplète, tu m'as donné le tawfiq de faire une partie, mais il y a encore des manques là-dedans. Et « وَاسْتَغْفِرْ » elle est insuffisante. Ça veut dire que, comme Shah Abdulaziz Mohaddis Dehlawi, rahmatullah, elle explique, parfois quelqu'un, il n'a'ouz billah, mais l'être humain, il est comme ça, l'ego, il est comme ça. Une fois, on a dit en classe avec les élèves que comme depuis notre enfance, on avait l'habitude de jouer au Lego. Vous connaissez les Lego? Donc, comme on a beaucoup eu l'habitude de jouer au Lego, c'est pour ça qu'à présent, l'ego, il ne nous quitte pas. L'ego, le nafs. Donc, notre nafs, il est comme ça. On croit, na'ouzoubillah, qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Astaghfirullah. Parfois, quelqu'un, il commence à faire tahajjud, il a la grosse tête. Il commence à venir namaz, mashallah, premier saf, il a la grosse tête. C'est lui qui donne adhan, il a la grosse tête. C'est lui qui fait imam, il a la grosse tête. Quel que soit, on fait tafsir, il a la grosse tête. Il fait un bayan, ça c'est un piège de shaytan. Cheikh Abdulaziz Mohaddis Dehlawi, rahmatullahi alayh, il dit, regardez, nos actions sont tellement insignifiantes, elles n'ont tellement pas de valeur, qu'il a dit, c'est comme si un roi, qui a la toute richesse dans toute sa splendeur, et les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, un jour il fait l'annonce dans son royaume, et il dit, voilà, je vais construire un palais. Quiconque veut amener quelque chose, amener quelque chose. Et là, vous avez un villageois qui habite très loin, subhanallah, dans la campagne, et lui, il dit, ben, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques pailles. Donc, je vais amener cette paille-là. Et il voyage très loin. Il arrive devant le roi. Il dit, voilà le roi. Voilà, je vous offre ces pailles pour construire le palais. Et le roi, dans sa noblesse, dans son karam, il ne refuse pas, il accepte. Il accepte avec cœur. Mais qu'est-ce que ça représente, cette paille, face à la richesse du roi? Il dit, ben, nos actions sont comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout, mais malgré tout, il accepte, mais pour nous, ça ne vaut rien. Donc, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Et pour revenir à ça, c'est ça le kamal. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on va se croire supérieur aux autres, mais au contraire, on va savoir que ça ne vaut rien. Alors, rapidement, pour revenir au thème ensuite, il dit, il ne se laisse pas tromper. بَلْكَ هَلْوَقْ est un moyen, un remède très efficace, une bonne piqûre et une bonne dose pour nous faire retomber sur terre. Eh bien, premièrement, yihalat salb yakamna hojaid. Allah Ta'ala, il peut enlever cette compétence, ce bien qu'il m'a donné, ou bien il peut diminuer. Un. Et deuxièmement, c'est que je ne sais pas comment je vais mourir. Je ne sais pas, est-ce que je vais mourir dans un accident? Allah protège. Est-ce que, inallah, on sera en boîte de nuit? Est-ce qu'on sera en train de faire une mauvaise action cachée, personne ne sait? Est-ce qu'on sera en sajda? Est-ce qu'on sera à l'hôpital? Est-ce que Allah Ta'ala seul, c'est lui seul qui sait? Et innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Ça veut dire, vous voyez, tout ce qu'on fait dans notre vie, j'ai envie de dire, ça ne vaut rien. Bah, inch'Allah, ça vaut quelque chose, hein? Mais le moment crucial, c'est la mort. Le moment crucial, c'est la mort. Ça veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith, que quelqu'un pendant toute sa vie fait du mal. Mais juste avant de mourir, entre lui et la mort, il reste un empan. Il change sa vie, il a gagné. Et quelqu'un toute sa vie fait le bien, entre lui et la mort reste un empan. Il change, il a perdu. Maulana Shafali Ta'ami, rahmatullahi alayhi, il a dit, d'avoir la grosse tête,
avant le khatima, il a dit c'est aussi bête que quoi? Que, en fait, il dit c'est quelqu'un, il est en train de faire l'examen. Il n'a pas terminé son examen. Mais déjà, il se réjouit, il se croit meilleur que les autres. Mais tu n'as pas encore rendu ta copie. Mais tant qu'on n'a pas encore rendu notre copie, ça veut dire quand on n'est pas encore mort, on n'a pas encore quitté ce monde, on ne sait pas comment on va quitter ce monde, eh bien, il ne faut pas avoir la grosse tête. C'est pour ça que Youssouf alayhi salam, il dit « Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin » et oh, « Accorde-moi et joins-moi parmi les gens pieux ». Alors, rapidement, et de manière très importante, enfin rapidement, c'est important, « Min ba'di an nazara shaytan ou bayni wa bayna ikhwati » après que Shaytan, eh bien, il ait suscité la discorde. Et c'est vrai que, subhanallah al-azim, ces conflits et ces discordes, c'est quelque chose que, d'une part, c'est un effort continu et important de Shaytan. Ça veut dire que c'est un objectif à part entière de Shaytan. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait également, avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara, entre les Aous et les Khazraj, c'était deux tribus. Il y avait tout le temps des disputes, il y avait tout le temps des conflits entre eux. Et Allah Ta'ala dit, c'est lui qui a uni les cœurs. Alors, ces disputes et ces conflits, premièrement, c'est un effort continu de Shaytan. Lui, il veut casser tout. Il ne veut pas l'union. Il veut qu'il y ait des conflits, il veut qu'il y ait des problèmes partout. Et subhanallah al-azim, les causes de cela, dans le verset de la sourate al-Hujurat, Mufti Saïd Paramepouri, rahmatullahi alayhi, subhanallah, il a très bien expliqué ça. Il dit, regardez, wa in ta'ifatani min al-mu'minin qattatalu fa aslihu baynahuma. Même Allah tabaraka protège, mais à l'époque des sahaba radiallahu anhum ajma'in, il y a eu également des affrontements. Mushajarat al-sahaba. Malheureusement, ça s'est produit. Ijtihadan, khata ijtihadi. Ils ont fait une erreur d'interprétation. Ali radiallahu anhu, Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu. Et on parle de ça dans ce verset du Saint-Coran al-Karim. Et après, Mufti Saïd Paramepouri, il dit, regardez, Allah Ta'ala dit, premièrement, la yaskhar qawmun min qawmin. Ne vous moquez pas les uns des autres. Qu'est-ce qui va amener les conflits? On se moque. Ah, regardez, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Deuxièmement, wala tanabazu bil alqab. C'est-à-dire, on va commencer à se donner des surnoms pour critiquer l'autre. Ensuite, il dit, qu'est-ce qui amène ces conflits? Ijtanibu kathiran min adhan. C'est les mauvaises pensées. Sans des doutes, des mauvaises pensées sans raison valable et sans preuve réelle. Donc on a de mauvaises pensées, c'est ce qui va amener les conflits. Ah, peut-être qu'il a fait ça comme ça. Des fois, on croit que c'est pour ça, tout ça, etc. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Dans les études qui ont été faites, subhanallah al-azim, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ils disent qu'à une occasion, il y avait dans un train, il y avait un père avec ses enfants. Et il y avait d'autres personnes. Et les enfants étaient en train de bouger, tout ça, etc. Alors les autres personnes qui étaient là, ils commençaient à s'ennuyer et à s'énerver également. Ils ont dit au père, mais dis à tes enfants d'arrêter. Tu vois pas qu'ils sont en train de faire du bruit? Il dit, mais non, ils ne sont pas en train de faire du bruit. Il dit, mais tu vois pas qu'ils sont en train de faire du bruit? Non, j'ai même pas remarqué. Et là, subhanallah, le papa, il a dit à cette personne, on revient juste de l'hôpital et la maman des enfants vient de mourir. Il a dit, quand il a annoncé ça, la vision de cette personne qui était énervée, elle a changé. Et de la colère, ça s'est transformé en compassion. Ça veut dire que parfois, nous, on a une impression, mais on ne connaît pas l'état de l'autre personne. C'est ce qui amène ça. Donc ça, c'est mauvaise pensée. Ensuite, ribat, la yartab ba'dukum ba'da, et au summum, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est le kibr. Ça, c'est les causes. Alors maintenant, les conflits, ça arrive partout, malheureusement. À l'époque de Rasulullah, c'est arrivé également. Une fois, c'était dans la masjid. Les sahaba, radiallahu anhum, entre eux, il y avait les voix se sont élevées. Et là, le prophète d'Allah, il est sorti, il les a calmés. De la même manière, pour le récit de Laylatul Qadr, fameux récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait de chez lui. Et il voulait annoncer la date de Laylatul Qadr. Mais il y avait deux personnes qui étaient en train de se disputer. Il a dit, à cause de cela, eh bien, on n'a pas eu la connaissance de la date précise de Laylatul Qadr. Alors, subhanallah, ça peut arriver dans le monde de l'entreprise. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites. Parfois, c'est au niveau hiérarchique.
Soit parfois les tâches ne sont pas bien réparties, ou bien conflit d'intérêts. Lui, il veut ça, l'autre, il veut ça, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est quand ça arrive dans le din, et plus particulièrement, Inch'Allah, on va venir rapidement, sur les conflits familiaux. Alors, dans le din, subhanallah al-azim, vous savez que les missions prophétiques, il y a trois grandes missions prophétiques. Il y a le ta'lim, ça veut dire l'enseignement. Il y a le tablir, il y a le da'wat. Et il y a le khanqa, la tazkiya. Alors, inna lillah, shaitan, il est tellement fort que lui, il fait qu'il y aura conflit. Il y aura conflit entre ta'lim et tablir, et tablir et khanqa, etc. Et il est tellement fort que parfois, ce n'est pas entre ces trois entités, c'est dans une même entité. Ça veut dire, dans le tablir, eh ben, ils vont se bagarrer. Dans la tazkiya, on va se bagarrer. Dans le ta'lim, on va se barrer, il va faire ça. Ça, c'est le plan de Shaytan. Et dans le hadith, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit en ce sens, « Inna Shaytan qad ayisa an yu'bada fi jaziratil arab walakin fi tahrish. » Il est désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique. Mais c'est quoi? C'est dans cette dissension-là. Alors, c'est très important de faire attention. Et vous avez plusieurs hadiths, ce fameux hadith que vous connaissez également, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit pour montrer la gravité de cela, que le lundi et le jeudi, nos actions sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne à tout le monde sauf à deux catégories de personnes. Ceux qui ont une animosité entre eux. De la même manière, dans 15e Sha'ban, on a l'habitude d'entendre cela, qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas pardonnées. Et certaines personnes qui sont quoi? Le mushahin. Mushahin shahana fil fulkil mashhun. Imam Raghib Asfahani rahmatullahi alayhi, il dit quoi? Eh bien, il dit c'est quelqu'un dont le cœur il est rempli de haine. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yahillu lirajulin muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a un conflit, ça ne s'est pas bien passé, etc. Pendant trois jours, je n'ai pas le droit de ne plus lui adresser la parole. Ça veut dire quoi? Ne plus lui adresser la parole. Ça veut dire qu'on se rencontre et je refuse de saluer cette personne. Ça, c'est le minimum. Si je refuse de faire cela, eh bien, subhanallah, c'est grave. Dans un autre hadith, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit également « La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu » Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas des vrais croyants et vous ne serez pas des vrais croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Est-ce que je ne vous enseignerai pas quelque chose qui, lorsque vous allez le faire, eh bien, ça va ramener la mahabba « afshu salam abaynakum » Il y a quelques jours de cela, dans la nuit de Tazkiyah, à Riyadul Uloum, vers Masjid de Saint-Pierre, on a fait une intervention là-dessus. Et on a dit s'il fallait donner un leitmotiv, ça veut dire un message principal de l'intervention, ça serait nous toutes mettre ensemble. Le 24 octobre, c'était la semaine de la créolité, il paraît. Donc nous toutes allons mettre ensemble. Et on a dit qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tous ces conflits et tous ces problèmes qu'il y a, on a illustré, on va dire, mis en avant trois domaines où il y a un grand manque de solidarité. Premièrement, général. Ça veut dire quoi? Que chacun y occupe son affaire. Et c'est ce qui se passera dans Qiyamah. Nafsi, nafsi. Je ne regarde pas l'autre à côté de moi, dans quelle situation il est, tout ça, etc. Cause de cela, c'est quoi? Eh bien, c'est parce que c'est l'individualisme. Et aujourd'hui, tant que moi je vais bien, ça va, tout va bien. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, en ce sens, hein, si on essaye d'expliquer le hadith, si tu veux être bien et si tu veux obtenir l'aide d'Allah, aide ton frère. Wallahi fi a'unil abdi ma kana al-'abdu fi a'uni akhi. Premièrement. Deuxième degré, c'est lorsqu'il y a, eh bien, dans la famille plus particulièrement, puisque Yaqub alayhi salatu wassalam, Yusuf alayhi salam parle de ça, c'est dans le khidma des parents. Là aussi, parfois, il y a un manque de solidarité dans le sens où cela ne repose que sur certaines personnes, ce qu'on appelle les aidants. Et ce sont les gens qui sont là dans la khidma et il y a une sorte d'abandon de poste des autres. Alors parfois, il y a des raisons qui sont valables, l'éloignement ou bien le manque de disponibilité, etc., etc., ou bien d'autres contraintes, mais il faut faire attention à ne pas abandonner et à ne pas se désolidariser. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça va amener, eh bien, ce genre de conflit. Et la cause, encore une fois, ici, c'est quoi? C'est cet individualisme, cette indépendance qu'on a. Je m'occupe de ma petite famille et moi, j'oublie les autres. Et troisième domaine
de causes de conflits familiaux, plus précisément. Alors bien sûr, il y a le conflit du couple, hein, ça c'est on va dire habituel, mais conflit à plus grande échelle dans la famille, c'est à cause de l'héritage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve, inna lillah, on arrive à un point où aujourd'hui, regardez, min ba'di an nazara ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati, shaytan, il a semé la zizanie entre moi et mes frères. Aujourd'hui, inna lillah, qu'Allah nous préserve, inna lillah, ça arrive à un point où là, on n'invite même plus l'autre lors des grands événements. Ça veut dire que lors des grands rassemblements familiaux, eh bien, on n'invite même plus son frère, son propre frère de sang. C'est arrivé à ce point-là. Inna lillah, il ne faudrait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la Ummah, amin, que même, alors dans le mariage, parfois ça arrive, mais dans l'enterrement aussi, non, janaza aussi n'y vient pas. Et surtout, quand la cause de cela, c'est quoi? Eh bien, c'est l'héritage. Plus particulièrement, là, on parle de l'héritage. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la cause, la raison, c'est l'amour excessif de ce dunya. L'amour, c'est le gain. Et il faut que moi, je gagne plus. Et savants disent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, que لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. Ce monde-là, si ça avait la valeur d'une aile de moustique. Alors, je ne sais pas combien ça fait une aile de moustique. Ça ne doit pas faire un centimètre. Bon, ça fait quelques millimètres. Très bien. Les savants disent, regardez ça. Hein. Regardez pourquoi on est en train de se battre. Regardez bien. Quelques millimètres. Ce monde-là, sept continents, ça vaut une aile de moustique. Sur cette aile de moustique, nous, on habite sur... On n'habite même pas sur un continent. On habite sur une île. Bon. Ceux qui habitent sur un continent. Dans ce continent, alors on coupe là, hein, on coupe l'aile de moustique en sept. Dans ce continent, on coupe, il y a plusieurs pays, on coupe un pays. Dans ce pays, on coupe une ville. Et dans cette ville, on va couper, on va prendre un quartier. Dans ce quartier, on va prendre une rue. Et dans cette rue, on va prendre un bâtiment, une maison. Voilà pourquoi on est en train de se battre aujourd'hui. Et dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que « Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam fal yanzur bima yarja'. » Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dunya par rapport à akhirat, c'est comme si on met son doigt dans l'eau, dans l'océan, et on retire. Regarde ce que tu as pris, une goutte d'eau. Ça c'est la raison. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est... Et c'est un effort de... Shaytan est content. Hein? Ah, il rit, il est content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et subhanallah, ça c'est un des fléaux post-Covid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, inshallah, on arrive à le rectifier, à le corriger. Amin. Surtout qu'on a de très belles moquettes aujourd'hui, alhamdulillah. C'est quoi un des fléaux post-Covid? C'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alignez vos rangs. Et je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas. Donc maintenant qu'on a de très belles moquettes, il faut demander aux imams et aux responsables, mais de bien déterminer où je dois mettre mon pied. Est-ce que je dois mettre là, le talon, ou bien est-ce que je dois mettre là? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prenait très attention à ça. La tusawwunna sufufakum. Vous voyez, à Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, vous entendez avant Sawu sufufakum wa la takhtalifu suddul khalal. Ça, c'est un fléau post-Covid. Nos safs ne sont pas alignés. Et un deuxième fléau post-Covid, c'est qu'on est encore en mode distanciation. Nalillah. On fait notre prière. Je ne sais pas si c'est les résidus, mais on ne se colle pas les uns les autres, inna'lillah. Ça aussi le prophète, suddul khalal, il faut faire très attention. Donc il a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. Alors juste pour terminer là-dessus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aide, amin, et qu'il fasse que justement, on arrive, inshallah, à se ressouder. Alors bien sûr, on peut avoir des différends, on peut avoir différentes positions, on peut avoir différentes visions des choses, on peut ne pas être d'accord, ça a arrivé, Omar radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu, ils n'étaient pas d'accord, mais plus on va faire taba'oud, plus on va s'éloigner, on va refuser de communiquer, de se rapprocher, de discuter, plus ça va empirer. Et ça ne va pas être bon pour nous-mêmes
et ça va être bon pour les autres et pour la famille, pour la communauté. Alors, quelques petits conseils qu'on a trouvés comme ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet. Il y a des livres, on avait emprunté avec quelqu'un un petit livre, « Gérer intelligemment les conflits ». On va donner quelques petits conseils. Là, c'est plus pour la famille. Premièrement, d'avoir un conseil de famille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a un conflit, de temps à autre, une fois par mois, on fait un repas. Allez, on fait un bon manger, un bon couscous, un bon biryani, ce que vous voulez, premièrement. Deuxièmement, on va discuter. Et quand on discute, subhanallah, c'est très important, on se concentre sur le problème actuel. Et non pas sur ce qui s'est passé il y a 15 ans. Non, sur le problème actuel. Troisièmement, on demande à chacun d'expliquer clairement ce qu'il veut dire. Ah, toi, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Toi, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Et là-dedans, c'est écrit, quatrièmement, on écoute sans interrompre. Cinquièmement, ils disent, respecter et prendre au sérieux le point de vue de chacun. Sixièmement, décider ensemble d'une solution. Septièmement, de se faire aider. Huitièmement, de ne pas accuser l'autre. Neuvièmement, reconnaître les émotions tout en les maîtrisant et parler avec douceur et maîtriser sa colère. Ça paraît tout simple, mais c'est tellement important. Et souvent, c'est ce qui manque, c'est quoi ? C'est la communication. Donc, pour revenir à cette histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam, cette partie-là, min ba'di an nazara ash-shaytan bayni wa bayni ikhwati. Juste pour terminer là-dessus, dans les hadiths, on appelle ça islahu dhatul bayn. Ça veut dire quoi ? La réconciliation. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith en ce sens, c'est dans Mishkat al-Masabih, cette riwayat, que ne vous informerai-je pas d'une action qui est meilleure que la salah, qui est meilleure que le jeûne, qui est meilleure que tout ça ? C'est quoi ? C'est la réconciliation et de s'entendre. On vivra mieux, nous-mêmes on sera en paix, la communauté sera en paix, Inch'Allah, et tout ira pour le mieux. Bien sûr, il arrive que chacun a son caractère, chacun a des différents points de vue, etc. Mais qu'au moins qu'il n'y ait pas cette haine et cette animosité, Inch'Allah, nous aurons tous à y gagner, surtout... Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve, mais il y a des grands événements ou bien des grands challenges qui nous attendent. Et un des moyens les plus importants de faire face à ces challenges, c'est lorsque vous savez qu'à côté de vous, vous avez un soutien. Vous avez quelqu'un qui est là, vous pouvez vous confier à lui. Il est là pour vous aider. Et si chacun on va s'entraider les uns les autres, Inch'Allah, biznillahil azim, Allah subhanahu wa ta'ala, il apportera son aide. Yadullahi ala al-jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et il nous pardonne nos erreurs. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah.